Bakili dans les étoiles. Dis-nous qui sera vainqueur. Bertrand du Guesclin va jeter bas son ennemi et soupera ce soir vainqueur dans sa bonne ville. Par le diable, qu'est-ce qui pue de la sorte? C'est vrai qu'il est merveilleusement laid. Un homme qui court aux trois quarts mort et tout nu à saillir une ville entière. C'est bien celui que la Providence a marqué pour délivrer le royaume. Bertrand du Guesclin. Oui. En réalisant du Guesclin, Bernard de la Tour a brossé une fresque impressionnante de cette extraordinaire époque où le meilleur et le pire se livraient une lutte sans merci. Allez, et que Dieu y ait part. De cette époque pleine de croyances naïves et d'exploits prestigieux, où la grandeur côtoyait sans cesse la félonie et la traîtrise l'esprit chevaleresque. À moi, Guesclin ! Vous verrez dans du Guesclin des chevauchées, de folles équipées, des embuscades, des batailles rangées, des places fortes assiégées. Vous assisterez à des combats singuliers, et à de singuliers combats. Vous verrez la France livrée aux tortures, à la brutalité, au viol, au pillage, au crime. Pour le bien du royaume, je ne tolérerai ni jalousie, ni préséance. Vous verrez comment un chevalier obscur devint par sa valeur et son courage grand connétable du royaume de France. Bertrand du Guesclin, personnage pittoresque et truculent, cabochard, violent, bagarreur, mais aussi chef avisé et subtil, défenseur du faible et de l'opprimé, luttant sans cesse pour un idéal de justice, de foi et de charité. J'aime plus que ma vie, mais c'est la vie du royaume qu'il me faut défendre. J'en ai fait le serment. Je ne vivrai pas loin de toi. L'étoile, elle a disparu. On vient de défaire les Anglais à Pont-Vallin. La honte de Crécy est lavée. Ce sera le dernier nom de victoire que j'entendrai. Je ne me suis battu que contre les ennemis du duché. J'ai protégé les petits, les faibles, les gens d'église. Je vous prie donc, madame, pour que du ciel vous êtes assise aux côtés de Notre-Dame. Jamais plus vous ne mourrez ici. Vous étiez là. Pourquoi ne m'avez-vous pas éveillée ?